while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Là, on a la place pour le processeur. Mm-hmm. Là, on a la place pour les RAM. Et ici, on mettra la carte graphique. C'est ça. Vas-y, vas-y. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop the thrill. Skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Se concentrer sur l'installation du processeur. Ouais. Alors du coup, il faut que je défasse ça là. Alors. Que je le relève. Ouais. T'as le petit loquet en fait, il faut appuyer dessus. Donc t'appuies dessus, tu le fais basculer. Et tu le relèves. Voilà. Donc tu laisses le cache, de toute façon il va sauter dans tous les cas. Voilà, donc après je le cache en plastique, il va sauter. Alors montre bien aussi sur la caméra. Je sais pas si on voit bien, il y a une petite encoche en bas à gauche. Ah oui, alors attends. C'est le détrompeur. Donc tu l'as aussi sur le processeur. Voilà, donc c'est des petits creux sur les deux côtés. Là. Et ça va dans des petits trucs en plastique. Bon, vous allez peut-être pas beaucoup voir, mais là il y a des petits bitonniers en plastique. Et surtout la petite flèche. Pour venir guider. Et Reiko dit que la petite flèche en dorée qu'il y a là, elle doit venir en face de quoi? Du vois, point en fait, qui est cassé. Il y a un triangle en fait qui est cassé. Ouais. Alors, il faut les ouvrir. Voilà. Là, je crois que tu as un seul clips en fait. Ça dépend des cartes vertes. Tu as soit en bas et en haut, mais là, ah oui, visiblement, tu n'en as que en bas. Donc, que en haut. Il faut les mettre sur ces deux-là ou ces deux-là? Alors, vu que tu n'en as que deux, ça fonctionne en dual core. Donc, en fait, il vaut mieux privilégier la première et la deuxième. Ces deux-là, là? Non, il faut que tu en laisses une donc, ces deux-là. Voilà, c'est ça. Donc, la 1 et la 3. Donc, ça, je peux refermer, je les mets là. Et après, voilà, si tu veux rajouter et deux autres barrettes. Et c'est mieux sur ces deux-là que sur ces deux-là. Oui, parce que vaut mieux prendre la première. C'est elle la première. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc tu mets sur 1, 2, et si tu en rajoutes, après, c'est sur 3, 4. Donc là, il paraît qu'il ne faut pas hésiter à forcer. Ça s'ouvre pas ça? Non, fais la bien coulisser à l'intérieur, je pense. Prends la de plus haut, t'es pas en face. Voilà. Ouais, mais, voilà. Faut forcer. Et en fait, il faut entendre. Donc là, c'est là que vient tout l'intérêt de poser sa carte mère sur un carton
Parce que quand on va forcer, ben, on va pas abîmer tout ce qu'il y a en dessous. Tout est soudé. Faut vérifier que dans votre boîtier il y a des entretoises. Donc les entretoises c'est ça. Je vais vous montrer ceux du milieu. Ça, ça, ça. Ici. Et il y en a aussi en haut, mais vous ne voyez pas, c'est hors champ. Ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça et on peut visser une vis. Donc là il y a un tas de vis. Voilà. C'est pour guider la carte mère en fait. Et l'isoler du boîtier, faire en sorte qu'elle soit pas en contact direct avec le boîtier. Et donc on va mettre en place le bébé dans la bête. Toute la partie là avec vas-y, montre. Donc c'est les connecteurs en fait, donc tout ce qui va être connecteur audio, HDMI ou tout ce truc là. Il y a un trou ici dans le boîtier, il va falloir les coulisser à l'intérieur tout en veillant à ce que les entretoises se mettent à l'intérieur des trous. Celle du centre, elle a pas de vis en fait, elle a un petit téton on va dire qui vient guider. Toutes les autres elles vont être vissées mais là elle est guidée et là je suis en face pour tous mes vissements. Alors, on a eu un petit problème avec la vidéo qui s'est coupée n'importe comment. Donc, avant de mettre la carte mère, en fait, on l'a retirée tout à l'heure parce qu'il faut rajouter le cache qui est juste là. Donc, elle se présente comme ça à l'intérieur. Et là, c'est de la mousse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'avais fini de mettre. On a vissé. Donc, là. On va venir brancher tout ça, qui en fait c'est des câbles qui relient les boutons, l'USB et les jacks qui sont sur la façade. Et on va aussi brancher les ventilateurs. Donc celui-là, c'est l'USB 3. Tout ça, c'est le reset, power, c'est les boutons quoi. Et là, on a l'audio. Les petits, ils viennent juste ici. Et l'audio, il va venir ici. L'USB 3 il va ici. C'est écrit juste dessous en fait. Je crois que tu as un autre port USB 3 ici si tu veux rajouter quelque chose en plus. Donc, la photo pour le ventirad, c'est ça. Et nos petits ventilateurs. Alors il y a un branchement là, CPU fan 1. Fan 1, oui, pardon. Et fan 2. Fan 2 il est là. Voilà. Donc là l'USB 3, là on a l'audio, ici en dessous on a le power, le reset, non ici pardon, le power, le reset, les LED, je crois que c'est tout, HD LED, ouais c'est ça, et ici on a branché le ventilateur. Alors du coup on a retourné le boîtier, là vous avez le dos de la carte mère qui est magnifique. Et on va passer à l'installation du SSD.
et nous revoilà avec le SSD fixé sur sa plaque avec nos 4 vis et je le mets à sa place. Voilà. Disque dur est fixé sur sa plaque avec les connecteurs en bas. On va déballer notre pâté de câble. Miam miam. La joie. Ouais. Fais tout sortir par là, ça serait peut-être plus clair. Ça dégueule de câble. Conseil, ça du coup, on va déjà les amener voir tata carte mère. Voilà. Histoire que ça commence déjà à ranger un peu. Pareil pour tout ce qui va aller devant la carte mère, c'est-à-dire le branchement CPU, le branchement carte mère. Pour la démo. Ça va être très joli de l'autre côté quand on va retourner. Ça va être terrible. Un tas de spaghettis colorés. Tant qu'on est dans ce sens-là, on va fixer le support du ventirad.
c'est parti, on va mettre le support ici. C'est vachement pratique comme truc. J'adore. C'est quoi, je vais commencer par ça. Ouais, vraiment. Si tu peux la marquer, là, oui. Tous les jolis câbles qui bavent un peu. Oh les jolis câbles, c'est magnifique. Et la pâte thermique, je la mets là. Alors la pâte thermique, ouais. Il y a plusieurs écoles, soit tu mets une grosse goutte au centre, et une fois qu'on va le poser, ça va s'étaler. Moi, ce que je préfère, c'est en mettre pas énormément, mais faire un genre de croix. Donc ouais, on va essayer de visser. Donc là, il faut bien visser en croix en fait. Donc vraiment, commencer par exemple celui-ci. Donc maintenant le petit ventilateur qui va bien. On va le rajouter le ventilateur. On va peut-être déjà le brancher. Ouais, c'était où? On a dit tout en haut. Alors voilà, c'est Pélifan qui est. On va passer au branchement des câbles. Alors. On va commencer par le SATA. SATA, ils sont là. On a mis donc celui-ci, c'est celui du SSD. C'est ça. On vient de regarder. On va le mettre sur le premier du coup. Donc ça, c'est pour la carte mère. On donc va se mettre dans ce sens-là, ouais, tout simplement. On va soulever un peu histoire de le faire. C'est planqué derrière la carte mère. Le deuxième câble pour alimenter la carte mère. Le CPU, ça? Ouais. Et donc, ceux-là? Ce sera pour la carte graphique qu'on pour va installer. Maintenant.
belle boîte. Elle est magnifique. Ça va se faire ici. Les deux du dessous. Qu'elle est très très large. Ouais. En fait. On va enlever les deux du dessous. Voilà. Ça. Ensuite, il va falloir ouvrir directement les petits clapets comme pour la rame. Voilà, donc là ça m'a l'air bien ouvert. Et pareil, donc il va juste falloir clipser, mettre une pression dessus. Tu l'as ouvert, et ça va la clipser. Ça se referme, ah, ouais, d'accord. Voilà. Le câble, celui-là, voilà, donc c'est ou le premier, mais c'est la même chose, ouais, en fait. C'est ça, et le détrompeur, c'est par là. Where did you go?